Chocroloute, c'est Lupina pour un nouvel épisode du 100 bébé challenge, je sais plus le combien c'est, on s'en fout, c'est pas important, je sens que mon chat va venir m'embêter. Bref, alors j'ai fait des trucs hors caméra, alors déjà j'ai relooké Kira, et voilà, elle est trop kiki. Je crois que c'est une nouvelle coupe qu'il y a dans le kit enfant. Et voilà, elle est trop mignonne. Bref, on s'en bat les couilles. Et en fait, j'ai décoré la maison. Vous allez rigoler. Donc j'ai décoré la maison, j'ai ajouté... là, j'ai ajouté des barrières, là, j'ai ajouté des machins, des bidules, des pots de fleurs, des canapés, des trucs, des machins. Des squeak-squeak. Enfin, ça, c'était de l'autre côté, mais comme j'y allais jamais. C'était ici, voilà. Mais là, j'ai mis des jouets pour les gosses. Des trucs pour les piafs, des machins, je pense que je vais bientôt pouvoir faire la troisième chambre que je ferai hors caméra. Et comme vous pouvez le constater, j'ai bien décoré en bas, donc j'ai rajouté un aquarium, des tableaux, de la déco quoi, clairement. Et ça je trouve que c'est trop classe, voilà, les super idées de Lupina. Et en fait donc j'avais plus que... Plus que 8000 simflouz. Et j'ai eu la bonne idée de jouer. C'était quoi ce bruit? Ok, ça doit être un chat sur le carton. J'ai eu la bonne idée de jouer. En fait, donc j'ai été vendre les plantes. Et Clara m'a fait un chef-d'œuvre. Donc en fait, j'ai regagné plein de thunes. Je sais pas comment je fais en fait. C'est même plus drôle parce que on croule sous la thune là. C'est. Enfin, je sais pas, est-ce que je suis douée ou quoi, mais quand je vois tous les. Enfin, je vais pas dire que je suis douée parce que ça fait un peu narcissique. Mais quand je vois les. Parce que de base, j'ai regardé d'autres youtubeuses jouer à ce challenge. Et elles galèrent de ouf à avoir de la thune. Donc je sais pas si je suis douée ou quoi. Mais il y a un souci là. Et 32 000 simflouz. Je sais même pas quoi en faire en fait. Donc je fous de la déco partout. Mais je sais pas quoi en faire tellement j'ai d'argent. C'est abusé. Bref, on va peut-être jouer au lieu de parler. Donc Clémentine va bientôt accoucher de son troisième gosse qu'elle a eu avec Kataram, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, il fallait qu'on drague lui. Enfin, fallait qu'on... Ça sera notre futur papa, je vais y arriver. Non mais en fait, je vous explique qu'il est 4h du mat, donc voilà, je tourne à des heures pas possibles. Non. Il est bientôt 5h d'ailleurs. Mais en fait, j'ai eu une petite crise d'insomnie. Loul. Je suis même pas coiffée. Non, mais... Pff, laisse tomber. Non, franchement, je ferai pas youtubeuse beauté. Hein. Bonjour. Aujourd'hui, je vous apprends à avoir le look poubelle. Cela dit, je m'en fous, en fait. Donc, d'avoir un look poubelle, j'entends. Donc, toi, ton père, c'est Joseph. Et l'antia, ton père, c'est Joseph. Ton père s'appelle Joseph. Je sais plus comment il s'appelle son père en vrai. Je crois qu'elle me l'avait dit, mais je m'en souviens plus. On s'en fout, encore une fois. Geoffrey, c'est le papa de qui... Oh non, elle est triste parce qu'elle a perdu. Mais c'est pas grave, chouchoune. Par contre, il est lundi 17h. Il est que 17h? Je me suis encore crachée dessus. Oh là là. Pff. Clara, elle est vieille, Clara. J'ai pas hâte qu'elle meure, mais je sais pas. Pauvre Clara. Elle est combien de gosses déjà? 16. 16 gosses, donc on en est à 18 là. On en est à 18 avec les deux petites et bientôt 19. Franchement, ça va. Hein. Donc j'avais dit que Clémentine aurait 24 gosses, comme ça, toutes les autres. Enfin, je vais essayer parce que je ne sais pas dit que j'y arrive. Les autres pourront en avoir 20 chacune et ça nous ferait à peu près 5 générations pour aboutir à ce challenge. Ce serait cool si on avait des jumeaux, ça irait plus vite, mais faut pas rêver.
Oui, cocotte, tu vas aller dormir. C'est quoi ça? Éreinté. Oh là 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 là. Oui, va te coucher tout de suite, tout de suite, tout de suite. Non, d'abord tu vas faire pipi parce que pipi, mais ensuite dodo, hein. Dodo. Vite, éreinté, elle est éreintée les mecs. Ah oui, j'ai mis des carillons. Ah, attendez, il faut que j'augmente le son du jeu pour entendre les carillons. On s'en fout, vous me direz, mais j'ai jamais entendu. Ah, d'ailleurs, on peut régler la hauteur. Donc j'ai mis des bambous. Alors toi, tu seras les sons aigus. Et toi, les sons graves. J'entends pas grand-chose avec leur musique là. Est-ce que ça va mieux, cocotte, là? Oh là là, ces murs, j'en peux plus. Voilà. Va te coucher, Clémentine. Bon, et toi? Ils vont se coucher à 19h, quoi. Non, mais voilà les... Voilà le décalage. C'est moi qui dis ça. Bah, Clara, tu vas nous refaire une toile. T'as l'air en forme, hein. Écoute. Donc, encadre cette foutue toile. Vends-la. Oh, mais encore plein de thunes, là. Je sais plus quoi en faire, moi. Franchement, je sais plus quoi faire. J'ai quand même la maison la plus... Enfin, je crois que c'est l'une des maisons les plus chères du jeu, hein, que j'avais acheté avec mon autre maison, en vendant l'autre maison, la première qu'on avait eue. Enfin, voilà quoi. J'ai envie de dire. Les gosses ont leur chambre individuelle. C'est la réussite. La réussite financière, les mecs, hein. Du coup, tu vas manger un truc Elantia parce que tu as la dalle. Mange du poulet. C'est bon le poulet! C'est dommage qu'il n'y ait pas de raclette dans les Sims. En ce moment, j'arrête pas de manger de la raclette et Elantia adore ça. Voilà, on s'en fout. Mais on s'en fout tellement de ma vie. C'est pas grave. Oula, bah toi aussi, cocotte, tu vas devoir manger parce que bon, hein, bon, hein, bon. Bah, va manger, je sais pas, ça, je sais même pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'est, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette série. D'ailleurs, je suis désolée, il n'y a pas eu l'épisode la semaine dernière parce que, bah, pour être honnête, j'ai eu la flemme de le faire. J'en avais plus en avance et j'avais juste la flemme de le faire. Voilà. Vous savez tout, je ne vous cache rien. Du coup, après, tu iras te coucher, ma petite louloute. Ça me fait bizarre parce que Elantia est black dans le jeu alors qu'en vrai elle est blanche et Keraline est blanche alors qu'en vrai elle est mate. Enfin, c'est bizarre. Bref, on s'en fout. Faut que j'arrête de dire on s'en fout parce que si on s'en fout de tout ce que je dis, à ce prix-là, je parle plus. Ça ira plus vite. Mais elle a pas mangé cette gros fignasse. Oh! Bon, tant pis, elle mangera demain matin. Sale gosse. Sale gosse. Écoute jamais ce que je dis. Et ils écoutent pas. Ah, Clara, elle s'éclate avec cette toile. Encore un chef-d'œuvre! Mais quand je vous dis que je sais plus quoi en foutre de la thune, franchement. Oh! 34 000! Ben, j'aimerais bien avoir ça sur mon compte en banque, hein. Ah là là. Allez, allez dormir, tout le monde, là. Elantia va dormir. Elantia! Dépêche-toi! Mais arrête de regarder la télé! Au lit! Sale gosse! On peut pas se jouer avec son reflet là-dedans? Elle est trop jolie, cette table. Bref. Alors, la poubelle est là, c'est très pratique. Bref, allez au lit, cocotte. Brrr, voilà, en accéléré. J'espère que j'ai bien mis les chambres du monstre sous le lit parce que j'ai pas envie qu'il arrive, ce con. Je crois que oui. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une mage il y a quelque temps déjà, hein, où en fait il y a le monstre sous le lit qui apparaît et il terrorise les enfants et les enfants. Bah, se lève et réveille tout le monde dans la baraque. Donc, il faut mettre cette petite lampe, la lampe Koulala. C'est une veilleuse et en gros, le monstre du lit ne vient plus. Après, si vous voulez continuer de terroriser vos gosses, vous ne la mettez pas. Comme ça, c'est plus drôle. Mais c'est chiant dans les 100 bébés challenge parce que bah, du coup, ils cassent les noisettes, j'ai envie de dire. Ah, elle est debout la madame. D'accord, elle fait pipi. Bon, bah, c'est bien. C'est bien, fais-nous un pissou. Alors, hop. Et en fait, dans les Sims, ce qui est un peu triste, je trouve, c'est que on gagne beaucoup plus en foutant rien, c'est-à-dire en peignant et en jardinant, que en travaillant, enfin, même en emmenant le Sims tout en haut de sa carrière, je décroise mes jambes.
tout en haut de sa carrière, il gagne moins qu'un Sims qui n'a jamais rien fait de sa vie et qui fait juste du jardinage ou qui vend des tableaux. C'est un peu triste. D'ailleurs, le jardinage, c'est franchement ce qui rapporte le plus. Pardon, j'ai tapé dans mon bureau. C'est franchement ce qui rapporte le plus pour avoir un peu tout testé. Les livres, c'est bien, mais bon, ça rapporte pas des mille et des cents. Mais franchement, le jardinage, les mecs, j'ai quoi? J'ai des murs et de la luzerne, je crois. C'est ouf, quoi. C'est ouf combien je touche. C'est hallucinant. Bah voilà, les 34 000, hein, ils viennent de là, j'ai envie de dire. Mais non, je lui ai fait prendre une douche alors que je voulais l'envoyer aux toilettes, mais n'importe quoi, moi. Et Loupi, faut dormir la nuit, hein, je te jure. Quelle truffe. Il est quelle heure en fait? Bah, il est 4 heures. Voilà. Elle se lève en même temps que moi, c'est bien. Oh, par contre, le social, c'est pourri, cocotte. Ouais, bah, tu iras nettoyer après. Ce qu'on va faire. J'allais dire, on va appeler un mec pour copuler, mais ils dorment, les mecs, à cette heure-là, hein. Ils sont pas cons. Non mais arrête de te doucher, ça sert à rien. Voilà, si en fait on va la faire parler avec sa fille, écoute. Elle fait quoi? Ah, elle faisait le ménage. Est-ce que tu peux te changer, Clara, ou tu veux vraiment rester en sous-vêtements devant tout le monde? Bon bah reste en sous-vêtements devant tout le monde, hein, c'est pas grave. Moi je m'en fiche, Clara elle a l'air grossie, hein. Bon c'est pas grave, c'est une mamie, elle a le droit. Enfin c'est con ce que je dis, on a le droit d'être gros à tout âge, hein. Bien sûr. Mais bon, je veux dire que voilà, on s'en fout qu'elle soit grosse. Les autres aussi. Bon, je m'enfonce en fait, donc je vais arrêter sur ce terrain. Oh, oui, raconte une blague salace à ta fille. Je pense que c'est de bonne. C'est de très bon goût. Très très bon goût. Elles vont comparer les pénis qu'elles ont vus dans leur vie. Ignoble, putain. Bon, je vais arrêter les conneries. Voilà. Par contre, du coup, Elancia, ma petite princesse rose, tu vas aller faire un pissou, tu vas aller te doucher, et ensuite, tu iras manger des céréales. Des céréales. Et Kera, oulala. Toi, ça va pas du tout. Tu vas faire un pissou, te doucher. Les quelle heure? Ah non, les 6 heures, t'as pas le temps de te doucher en fait. Et tu vas manger parce que t'as grave la dalle, ma pauvre. Tu vas prendre des boulettes de viande pour le petit déj, hein, pourquoi pas, écoutez. Bon, ça rigole. Du coup, le social doit remonter là. Ouais, c'est cool. C'est cool. Par contre, Clara, j'aimerais bien. Attendez, je vais quand même vérifier que j'ai bien mis le vieillissement là. C'est bon. Ouf. Ouf, parce que l'autre jour je l'avais désactivé comme une grosse truffe et du coup ça vieillissait pas. Bref, on s'en fiche. Alors, ça arrive dans 1 heure. Ok, tu vas venir là, toi. Mais pourquoi tu vas pas manger comme je te l'ai demandé, espèce de d'élancia là? Eh, écoute pas, comme la vraie. Du coup, tu peux parler avec ta grand-mère aussi. Par contre, vous arrêtez de faire des blagues salaces à côté des gosses quand même. Ils sont pas encore en âge de comprendre. Plus tard, plus tard. Voilà, raconte une histoire idiote à ta mère. Eh ben, c'est Chantal, en fait, elle avait un sac, mais finalement, non. C'est un pingouin, il respirait par les fesses, et il s'est assis, et il est mort. Suis désolée. Cette blague est nulle. Sinon, j'ai une histoire pour vous, mais je pense que vous n'allez pas la comprendre. Donc, puis c'est pas drôle à raconter quand on n'est pas en face des gens. Parce que c'est. Putain, mais mes cheveux ressemblent à rien, comme d'habitude. En fait, c'est une blague sans chute. Et les blagues sans chute, elles ne sont vraiment pas drôles, mais genre vraiment, vraiment pas drôles. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est de la dire à quelqu'un. Donc du coup voilà, ce moment-là tu dis ouais c'est nul, ok. Et ensuite quand tu es avec cette personne, donc par exemple on le fait très souvent avec Ruru, on raconte la blague qui donc est très nulle, mais on est mort de rire parce que les autres sont en mode ok c'est nul, ils savent pas quoi dire, mais on reste mort de rire parce que justement ils
ils sont en mode c'est pas drôle, mais ils comprennent pas pourquoi nous on rigole, et ça c'est drôle. Ok, c'est n'importe quoi ce que je dis. C'est cool ma vie, encore une fois. J'espère que vous avez compris, mais en tout cas c'est drôle. Enfin, voilà. C'est drôle de rire. C'est drôle de rire, Lupina 2016. Ok, elle a commencé à coucher. Bah, c'est pas un souci, hein. On y va tranquillement. Enfin, toi, tu vas ranger les plats avant d'y aller. Et puis, de toute façon, tu restes là, en fait, Clara, donc on s'en fout. Un petit pissou, bah, c'est bon, hein. Non, mais tu te laves pas les mains, de toute façon, c'est pas grave. Tu vas aller accoucher à l'hosto. On t'accompagne. Tu vas y aller avec lui parce que juste après, on va essayer de le pécho. De bien le pécho bien fort. Le pécho bien fort. On va l'inviter direct à la maison et puis. Arriba, arriba, Spenzali, ipa, ipa, Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était Speedy Gonzales. Voilà. Speedy Gonzales, un personnage de cartoon de mon époque. Donc ça date. Une petite souris qui court partout, qui va très vite avec un sombrero. Enfin bref! Ok, donc lui il est là. Est-ce qu'on peut lui rouler un gros patin? Ah zut, j'ai tapé dans le micro, je suis désolée. Non, on va pas lui demander d'être son petit. Elle va encore se faire accoucher par son père, mais c'est tellement glauque. Coucou papa, c'est encore moi. J'en veux plus. Bref, il s'est cassé. Ok. Est-ce que quelqu'un peut m'inscrire, s'il vous plaît? J'ai du mal à marcher. J'ai perdu les os. Quand j'étais petite, je disais j'ai perdu les os. Ok. Oui, il n'y a personne. Ah, c'est bon. Allez, vas-y. Oh, pauvre doudoune. Oh, le trou cucu. Est en train d'accoucher. Oui, ben on voit ça. Hein. Bon, je pense qu'il y en a qu'un, comme d'habitude, donc c'est pas grave. J'espère que c'est un garçon, parce que ça fait longtemps. Oh, il faut payer les factures. Ah, bah, ça tombe bien les 36 000 là. Bah, allez, vas-y, papa, accouche-moi. C'est un garçon! Ouh! Alors. Je vais lui donner un nom aussi très original que je crois que je n'avais pas encore mis. Je sais plus. Je sais plus si j'avais déjà mis. Bon bref, c'est pas grave. Donc Seb Play, voilà. Bon, enfin normalement son pseudo c'est ça. Seb Five Play. Bon, je vais quand même mettre Seb Play parce que je l'ai connu sous Seb Play. Bref, on s'en fout. Allez, Seb Play, tu es né! Mon petit Seb! Ouh! Alors, on a la team You Sims là, hein. C'est parti. Je vais tous les faire. Donc, Elancia, Keraline, Seb Play, le prochain, ce sera sûrement l'un des deux, Alexis ou Edouard. Ou... Bref, de toute façon, faut qu'on la foute en cloque. Vas-y, rentre chez toi, cocotte, que tu retombes enceinte encore. En plus, le père du suivant aura les cheveux bleus, je pense que ça va être comique. Ça va être très très comique. Oups, j'ai encore tapé dans le micro. C'est pas possible. Oh, ce micro, je vais le manger comme ça. Quand je parlerai, ça fera caisse de résonance. Non, c'est pas une bonne idée. On va oublier ça. Les bonnes idées de Lupina. Je suis désolée, je dis encore plus de conneries que d'habitude puisque il est 5 h du matin. Voilà. Oh, j'ai un doigt. Bon, tu charges, oui. Plus vite, je veux pécho! Oh! Bon, alors. Ah, t'as vu, maman, j'ai accouché. Ouais, c'est cool. Allez, c'est bien, on s'en fout. Harmonie, tu. Non, il s'appelle pas Harmonie, il s'appelle Lucas. Oh, vas-y, c'est Squeezie, en fait. Alors, viens. Viens, Squeezie, viens chez nous. Il ressemble pas du tout à Squeezie, mais c'est pas grave. Ce serait drôle que. Est-ce que vous m'avez fait des papas? Je crois que vous m'en avez fait. D'ailleurs, vous pouvez continuellement faire. Ça me fait toujours très plaisir, où est-ce qu'il est le petit? Ah d'accord, dans la chambre de sa sœur, mais genre tout va bien. Ah Seb Play, Seb, t'es pas encore grand, tu fais déjà chier. Oh, le pauvre. Allez, c'est gratuit. Pauvre Seb. Non, évidemment, j'adore Seb, hein. Vraiment, vraiment beaucoup. Du coup, est-ce que c'est bon, il est arrivé ou pas? Zut, je crois que j'ai lancé OBS comme une grosse débile. Voilà, j'ai cliqué à côté. Nye. Oh, mais ferme ta bouche, le logiciel. Oh, alors. Clara, peinture. Non, Clara débarrasse d'abord. Pauvre Clara, elle sert à rien.
Du coup, nourrir au biberon et puis va peindre un truc, une toile réaliste, on s'en fout en soi. Est-ce qu'il arrive, l'autre Bernard? Elle est encore en train de lui téléphoner. Eh bah. Ah, il va arriver. Allez, on va le pécho, vite fait, bien fait, et on conclura sur cet épisode. Ah, le v'là. Salut, monsieur. Attends, je vais quand même regarder s'il ressemble un peu à Squeezie. Non, pas du tout. Je sais pas ce que j'ai avec Squeezie, j'ai regardé des vidéos avant de tourner, ça doit être ça. Alors, est-ce que tu peux le pécho? Mais bien sûr que tu peux le pécho. Allez, on essaye. Non, mais c'est bon, on n'y va pas, les connes. Oh là là. Clem, t'es pas fini. Allez, vous péchotez. Voilà, il veut bien. Ah zut, faut que je paye les factures. Clara, va payer les factures, ma chérie. Ouf, 7 000. Oh, bah ça va, hein. Je m'attendais à pire, en fait. Allez, ça pécho et plus vite que ça. Bonne mère. Du coup, c'est bon ou pas? C'est bon, ils ont fini. Oh, la meuf impatiente, très concentrée. Vas-y, va voir si t'as. Si. Si. Oh non! Oh, elle est pas enceinte. On recommence. Et Jeannot, t'es pas très productif là. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est pourrie ta semence. Allez, on recommence. Allez, Zou. Non, mais te lave pas les mains, on s'en fout. Allez! Allez! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais what? Elle a quand même été dans la cuisine pour revenir dans la chambre. Tout va bien dans sa vie. Bon allez là, go go go, on n'a pas que ça à faire. En plus, le temps est dépassé. C'est bon? Allez, va voir si t'es enceinte. Encore un chef-d'œuvre? Oh, il faut que j'arrête de gueuler, les voisins vont m'entendre en fait. Bah oui, bah vends-le, mais carrément vends-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Putain, 2 000 et ça a presque remboursé les factures, s'il te plaît. Yeah. Elle est enceinte. Alors on va pas le dire, on va juste lui dire de dégager. Voilà, dégage, s'il te plaît. C'est bon, tu peux partir. Au revoir. Voilà, casse-toi. Allez. C'est gentil d'être venu. Au revoir. Mur de notifs plein. Bon. Eh ben écoutez, franchement, cet épisode aurait été très lucratif. Je suis pas sûre que ce soit ça le mot. D'ailleurs, j'ai oublié de faire réviser assidûment les filles. On a eu un bébé, donc on a eu le petit Seb. Seb Play, allez voir sa chaîne, voilà la pub gratos. Clara est toujours vivante, on croise les doigts. Et puis Elancia et Caroline vont très bien. Et on est de nouveau enceinte. Moi, franchement, je trouve que je gère. Alors après, c'est peut-être moi. Mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'arrête.